Là, actuellement, ce que vous voyez, c'est le jury qui délibère pour désigner le grand champion 2024 des petits champions de la lecture. Donc le jury des petits champions, il est composé cette année au niveau de la grande finale de 11 personnes qui vont évaluer les finalistes sur 3 critères. Donc la technique, la posture et la transmission. Donc la technique, c'est un point qui va regrouper plusieurs aspects de la lecture, notamment le rythme, la ponctuation, les liaisons, la fluidité de la lecture, donc c'est tout ce qui va concerner la technicité de la lecture en soi. Le critère de la posture va concerner plusieurs points, mais notamment le placement de la voix, le placement du corps et la capacité que va avoir le finaliste à s'adresser à son auditoire et au public. Le critère de la transmission, il va relever un peu plus de quelque chose de personnel, mais c'est la capacité à faire passer des émotions, la capacité à faire comprendre l'extrait qu'on a choisi à son auditoire. Le choix du jury n'est pas toujours facile, c'est même rarement facile, surtout au niveau de la grande finale où on arrive à un niveau où les 15 finalistes sont d'excellents lecteurs et d'excellents conteurs d'histoire également. Le choix va se jouer sur des tout petits détails à cette étape-là de la finale. Pour connaître le grand gagnant de cette année des petits champions de la lecture, rendez-vous sur nos réseaux sociaux dès aujourd'hui.